Monsieur le juge, je vous écris parce que j'ai quelque chose à vous confier. C'est sur Honoré Subrac. Ah, c'est correct, on a encore le temps. Qui es-tu? Hein? Il est parti où? Il y a quelqu'un dans la ville. Honoré, c'est toi? Oui. C'est toi, Honoré? Oui. J'ai appris à me camoufler dans les murs comme un caméléon. Je vais t'expliquer. T'étais où pendant tout ce temps-là? Je t'ai cherché partout. J'étais inquiet. Je sais, je voulais te parler, mais il est constamment sur mes traces et j'ai nulle part où me cacher. Mais qui? Qui te traque? Et pourquoi? C'est un homme qui me poursuit, mais pour le pourquoi, c'est une longue histoire. Je vois, mais comment étais-tu invisible tout à l'heure? C'est la nature est formidable. Elle donne une chose trop faible pour se défendre de leurs prédateurs, des dons qui leur permettent de se défendre en cas de besoin. Un caméléon qui peut se confondre complètement dans son environnement. Moi, j'ai un nom semblable. Moi, je peux me cacher dans les murs et comme ça, fuir mon attaquant. Mais il faut que je sois complètement nu pour le faire. Alors. C'est pour ça que... Tu portes une robe de chambre. Ouais, pour me dévêtir le plus rapidement possible en cas de danger. Mais c'est formidable. Comment as-tu ce don? C'est arrivé pour la première fois il y a 25 ans à peu près. J'étais dans une situation assez délicate. À ce moment-là, j'avais juste une envie, c'est de disparaître. Et c'est là que mon don m'a été révélé. Wow! Dario! Honoré? Dario, il faut que tu m'aides, je t'en supplie! Mais pourquoi? Il m'a retrouvé, je suis fichu! De qui ça? Va-t'en! Meurs! Non, pas encore! Honoré! Honoré! J'étais dans une solide. Tabernacle! Il est parti où? Menteur! Ok. Mon don m'a été donné. Wow! Regarde-toi.